Ça va, toi? Comme vous savez tous, à la Star Academy. C'est le grand jour. C'est la première aujourd'hui. Je suis trop stressée. Moi, vous savez ce qui me stresse le plus? C'est vraiment les talks. Quand on parle juste. Parce que chanter encore, bah tu chantes. Parler. Non, je suis effrayée. Je suis effrayée parce que j'ai pas envie de me rater, j'ai envie que ce soit bien, j'ai peur en fait. J'ai peur, il y aura beaucoup de monde, c'est pas comme en prime, il y aura vraiment beaucoup de monde. Aujourd'hui, comme vous savez tous, nous avons travaillé dur pendant des jours. Les talks. Et aujourd'hui, non mais moi, les talks, c'est horrible. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Les talks. Nous faisons un zénith. Un zénith à Amiens. La Star Academy, c'est un petit bout de vie, des amitiés qui naissent et qui, croyez-moi, continueront. J'ai envie de pleurer des talks. On dit de notre promo aussi, qu'elle est très unique. Ça me stresse plus que le show lui-même. Tant de souvenirs que l'on garde. Bon. Alors j'espère que vous avez encore du temps pour chanter les enfants ce soir. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'on fait. Bon, comme vous le savez tous, aujourd'hui, ça y est, c'est le jour J. Yes, c'est le jour J. On est un peu en PLS parce que ça nous stresse un petit peu. Mais on est tous dans le même état et on a bien dormi. Moi, j'ai dormi 8 heures. Moi, j'ai bien dormi. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est The Show. Au château de la Star Academy. On en ressort avec plein de souvenirs dans la tête. Bon, comme vous savez tous, à la Star Academy, nous accueillons plein de grands artistes chaque semaine. De joie. Et ce soir, c'est avec vous que nous la partageons. On a travaillé très dur. On a pleuré. Il y en a un qui nous a tous marqués. Est-ce que je me rappelle? Et ce soir, c'est le moment. C'est Julien et Léna. On a un piano ou d'une guitare. Où on chantait tous. Tu fais trop rire quand tu dis ça. Et en fait, Bonjour. Voilà. Pourquoi on est en train de. Tu nous fais une petite démo de comment t'habiller. Alors, mon petit pantalon qui va de chez. Faudra regarder derrière, je sais plus. Un petit t-shirt Uniqlo, sympa, des petites Adidas, un petit caleçon, attention, funky, oh, Tommy Figure. Wow. Et des chaussettes classiques, shit, à 3€ chez Decathlon, je pense. Yes. Voilà. Ensuite, putain, il a pas mis les chaussettes. Toi, vas-y. Ah non, t'as mis les chaussettes bananes aujourd'hui. Explique-nous. Alors, moi j'ai des petites Samba. Ensuite, j'ai des chaussettes New Balance. Ensuite, j'ai une jupe que j'ai trouvée en friperie. Ensuite, ça, c'est à ma pote. Je lui ai volé. Oh là. Et ça, j'ai trouvé sur Vinted. Yes! On a fini le pillage final et je vais changer mes chaussures. C'était trop cool. Axel, c'est maintenant ou jamais. En fait, ils font une pause. Ok, ma vie. Je vais me faire baby. Non, il y a pas le bouton, faut attendre. Tu sais, je commence à stresser là. Moi, je pense que j'aime pas, c'est les rushs, les genre en mode rush de prime, Ouais, là où t'as pas le temps pour faire les choses. Ouais, pareil. Mais c'était trop bien. Et Léna, c'est quoi? Mais c'est trop bien! Quoi? C'est que Guillaume? Oui! Quoi? Mais c'est qui? Ça, en fait, Guillaume. Mais c'est une dinguerie! Il est metteur en scène au cinéma.
C'est genre les trucs qu'on peut scanner. C'est quoi? Putain, c'est trop beau! C'est voir, Elena? Mais attends, c'est une dinguerie, ils sont trop forts. Pas du tout. Ah, d'accord. C'est quand même stylé. Montre ça, tu la connais d'où? Mais c'est tellement beau! Tu vas faire quoi, les danseurs, comme truc? Une petite phrase. Tu peux voir, moi j'ai un avocat. Attends. Oh, regarde! C'est un peu mignon, genre. De ouf! De ouf! J'adore. Mais ça, c'est j'arrive pas à me dire. C'est la première, mesdames et messieurs. J'arrive pas à me dire ça va commencer. Genre pour première moi, ça va commencer. De 75 dates. J'ai l'impression que c'est encore un filage. Ouais. Mais non, on dit c'est un filage, mais qu'il faut le faire. En fait, c'est un filage, mais tu, quand tu vas rentrer sur scène, tu vas voir qu'il y a plus de gens. Ouais, et c'est juste un filage. Et ils vont crier, genre. Ils ont changé les équipes de Sony. Beaucoup de joie, Tony. Je suis stressée. Je comprends. Je suis très stressé, mais comme les copains sont très stressés, je suis pas stressé. Comme ça, je suis la boule de stress qui récupère tout. Tu as raison, et en même temps, non. Non mais ça va le faire. Par contre, t'es juste trop belle. Je mets en fait, dans mon sac. Trop belle. Mais c'est jeune. Sachez-le qu'on est 13. Oui. On est 13. Aïe. Aïe 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 aïe. 1, 2, 3, merde. Merde, on l'a fait trop tôt. On a fait les cris de guerre trop tôt. Ouais, j'ai oublié ma course. En fait, on a dette. En fait, on a dette. D'accord. C'était fou. On a dit, quand c'est moi, qu'on allait prendre notre revanche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre revanche. Ils ont juste tué ça. Et qui dira le contraire? On a des ça. On a des ça. On a des ça. On a des ça. Oui, Jibril. Ouais, Jibril. On a des ça. On va dire bonjour. On s'approche pas trop. Hello. J'adore. C'est quoi? C'est une petite chose. Mais que j'adore parce que c'est extrêmement mignon. Mais c'est un ours. C'est extrêmement mignon. Ah oui, et il y a tous nos noms dessus. Candice. Margot. Margot. Axel. Lenny. C'est Elena. Trop mignon. Elle est derrière moi. Gébril. Gébril. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. Allez, attends. Je suis dégoûtée, c'est pas. Eh, c'est moi qui devais lui donner. Ah, pardon, c'est Julien. C'est bien, en gros plan, tu sais. En gros plan avec mon gros menton là. C'est laissé, c'est tout. Pour tout le monde. Voilà, vous êtes bien là. Je vous sens bien. Ouais. Puis en plus, ton ancrage, mon Dieu, je suis tellement fière. Je me dis que si je fais pas ça, je vais me péter la voix. Oui, c'est ça. Oui. Attendez. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a, lui, il se moque? Ah non, je suis admiratif. De mon oreille? C'est mon bébé. Oui. J'ai pas choisi de vivre ici entre la soumission, la peur ou l'abandon. Elle arrive comme une reine. Dis-moi ça. Hein? Tu dois mettre ça sur toi. Je vais mettre ça sur moi. Je suis vraiment pas un expert. En plus, j'ai rien goûté à ce que tu veux pas nous faire un petit tuto? Bah non, du coup, je sais pas comment faire. Mais non, mais c'est simple. Mais je crois tu que... mets ça d'abord, ouais, sous tes cernes. Oui. Et sous tes petites imperfections, genre sous tes petits boutons, les petits trucs. D'accord. Ensuite, tu t'étales un petit peu. Ensuite, je pense que. D'abord, tu mets ça. Faut que je mélange ça et ça, ok. Tu mets ça et ça, parce que ça doit être ta peau qui doit faire ça. Après, tu mets ça et tu unifies un peu tout, tu vois. J'ai peur sur la quantité, en fait. Ça, tu camoufles. Ça, c'est pour camoufler. Donc, t'en mets. Quantité qu'il faut, genre tu mets pas des gros pâtés. Ouais, ok. De toute façon, je vais vraiment y aller mollo parce que j'ai trop peur de ressembler un peu de peinture là. J'ai vu en plus la story. Je me regarde en partage. J'ai tellement hâte. Mais vous êtes trop chaud. J'explique ce qui se passe. Là, on fait des balances devant des gens. Il y a des chanteurs. Parce que ils ont payé pour.
Hey, salut les chanteurs. Alisha a la même caméra que moi, en plus petit. C'est trop mignon. Je pense que c'est la version un peu plus supérieure, la tienne. J'adore. Ça va, les copains? Ça va bien, bien. On s'occupe bien de vous. En fait, vlog de Candice, sachez que j'ai slayé mon make-up, je vous montrer ça tout de suite. Juste à l'entrée de la salle. C'est iconique. Je me trouve extrêmement beau. Je tiens à le dire, faut le dire quand ça décarre. Enfin, je suis désolé. À un moment. Allez, lève. Je crois qu'ils ont pensé qu'il y avait. Lève. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Du coup, si on laisse des trucs ici, on les laisse. À prendre vos trucs de maquillage, mais il faut les amener en bas. Ah ouais. Pour faire une petite retouche, j'ai un peu de temps, si jamais. J'ai la flemme. Ah non, so today, on est le jour 2 de Amiens, c'est notre deuxième représentation. On est prêt? Ça sera en dessous le t-shirt, je vous rassure. Évidemment. Je vous rassure. Mais on est prêt? On est prêt? Let's go. T'es prête? Moi je suis prête. Mais madame a souri. Ah oui, non. Le stress. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Parce que je me rends pas compte qu'on va aller sur scène. En bas de moi. Oh merde. Ça c'est reparti, j'arrive pas à y croire. On va être là, je suis encore dans mon lit. J'arrive pas à fermer cette veste. Mais moi je comprends pas là. Regardez les fleurs, on nous a offert des fleurs. Et moi, emballe-moi. On veut d'autres yeux qui ne se résignent pas. Envole-moi. Sauvez-moi de là, entre dans ces autres vies que je ne sais pas. Envole-moi. Envole-moi. Je voulais juste dire que mon make-up n'avait pas bougé après un show. Voilà, point. Ah, mais pour tous les gens qui se demandent, qui disent « Axel, tu vois rien en fait sur scène ?» J'ai mes lentilles, mais j'avoue qu'au bout d'un bout de temps, ça fait mal. Mais là, faut les enlever. Oh, je l'ai. Tu sais que ça me dégue un peu. Bah, les lentilles, le principe d'une lentille. C'est vrai, ça te dégue. Bah, le foutre dans son œil. Attention. Oh. Ah. Attends, j'ai pas réussi. Ah, je crains les trucs comme ça. Denis, regarde pas trop vite, t'es comme ça. Ah, ça me dégue. Moi, je prends un plaisir à te voir souffrir. Ah. Mélanie! Oh putain, je suis là, elle est à qui? Oh mais putain, enlève-la, ça me frustre! Moi j'ai pas vu. Chaud, ça me dégue! Ah, c'est que ça me dégue! Hein? Au revoir, Amiens! Au revoir, le zénith d'Amiens! Dis au revoir à Amiens. Au revoir Amiens. On vous aime très très fort. Vous nous avez donné tellement de force. On vous aime. Voilà. Bisous. Quoi? Bisous à Amiens en fait. Bisous à Amiens en fait. Bisous et merci Amiens. C'était ouais, incroyable. Super. Bisous à Amiens. Vous honorez les premières. Voilà. Ouais, ça. Vous êtes les belles. C'est important. Cœur, 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 cœ